Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora sur PC et on va continuer la quête principale, c'est parti. Mais ça n'en amoindrit pas pour autant l'affront commis et leur sou. On va maintenant faire monter en pression. On va l'afficher sur la carte, il faut aller là-bas. On est au QG de la résistance, je vous montre où on est. Le QG de la résistance doit être ici. Repère de la résistance, et nous on doit aller là où j'ai mis le truc, ici là-bas. Et voilà, c'est parti, on va s'en charger, on va mettre le truc un peu mieux, parce que c'est pas super bien mis, et voilà, c'est parti. On sort, et on y va. On va prendre l'Ikran. Et c'est prêt parti. À faire un tour. Voilà. Alors ça a l'air assez loin, c'est dans une zone qu'on n'a pas encore explorée, donc on risque d'avoir des petites surprises, style base ennemie. Alors je vous rassure, on fera toutes les quêtes secondaires plus tard, hein. Mais on fera peut-être le DLC avant, parce que le DLC sort ici dans quelques jours. Il y a un panier d'Ikran ou un truc, je crois. Tant pis. De toute façon, il sera noté sur la carte. Hein, donc. On va continuer à descendre. Voilà. On va non pas non plus taper les arbres, mais on va passer peut-être un peu entre. Je ne sais pas si... Si ça se note sur la carte ou pas, on va regarder. Ouais, oui, ça se note sur la carte. Ouf, il y a une énorme base ici. Regardez-moi ça. Je me demande si c'est pas ça qu'on devoir attaquer, tiens. Il y a une énorme base là. Et nous, on doit aller là. Ouais, ça sent bien. Il va falloir faire très attention de ne pas se faire tirer dessus. Je dévie un peu pour être sûr de ne pas passer trop près, histoire de ne pas prendre les défenses anti-aériennes dans la tronche. Il y a des hélicos aussi, on va encore plonger pour éviter les hélicos. Voilà. Alors je sais pas si vous les entendez ou pas, mais je joue au casque et donc j'entends les hélicos à droite de ma position. C'est vraiment un gros avantage de jouer au casque, hein, franchement. Ici il y a un camp, je pense. On va atterrir. Yeah. Site de prospection, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, de la nourriture. On n'a pas vraiment besoin de ça. Est-ce que c'est ici qu'on doit venir? Ou est-ce que c'est encore ailleurs? Non, c'est ici. On va prendre aussi les trucs ici. Ah, c'est encore de la nourriture, c'est vraiment pas de bol. Où est-ce qu'on en est là dans la nourriture? Ouais, j'ai plus tellement de brochettes et compagnie, hein. Je vais faire attention, j'aurais dû en refaire. Alors je regarde s'il y a encore autre chose dans le coin. Est-ce qu'au niveau arc lourd ça va? Je vais pas fabriquer de cosse spéciale de tir. Le propulseur je l'ai pas encore utilisé. Ok. On va maintenant parler au gars de la quête. Oh, heureusement tu es là. Anka est passé et a attiré la sécurité. Mais ils peuvent revenir à tout moment. On va devoir faire vite. Il faut que je sache ce que c'est la RDA. Ça va? Tu es toute pâle. Si ça va, je suis paumée dans une base de la RDA et j'hyperventile. Comment tu fais pour faire ça tout le temps? Je suis dans mon élément ici. De quoi as-tu besoin? Si je peux accéder au système, je peux lancer des scans et fouiller des rapports de la RDA. T'es plutôt bonne en piratage, non? Avec mon site, je peux repérer des terminaux vulnérables. Parfait, il me faut des données personnelles avec la bonne autorisation, ok?
chercher des données personnelles dans le camp de la RDA. Alors, il faut utiliser le truc de piratage. Il y en a peut-être ici. Non, ça, c'est un groupe de personnes. Je vais voir si je trouve ça pas un petit cadeau. Un petit cadeau, les amis. Tu auras un enfant à faire venir ici. Les Arentu foulent à nouveau le sol de la forêt. Pas de petit cadeau. Bon. Incroyable. Là, il y a encore un truc. Une caisse qu'on n'avait pas vue. Ah, c'est des munitions. Bon, où est-ce qu'on doit aller pour faire ces trucs de piratage? On est pourtant dans le camp. Ça n'a pas l'air d'être ici. Hein. Je pense qu'on va ouvrir... on va ouvrir la carte pour regarder un petit coup pour la quête. Je pense, parce qu'en avis, c'est plus loin. Non, c'est ici quand même. Il ne met rien du tout. C'est peut-être là-bas plus loin. On va avancer dans la zone. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ici. Premier terminal ici, d'accord. Alors, piratage plutôt simple. Plouf. Et plouf. Priya, je viens de t'envoyer des données sur le personnel. Est-ce que ça t'aide ? Bien sûr. Il faut que je trouve une personne habilitée à utiliser les scanners. Continue de chercher des données biométriques ou des identifiants. On va fouiller, hein. Peut-être là-haut. Là, je vois rien. Je vois des ressources, surtout. Bon. Il y a peut-être l'entrée du bâtiment ici. On peut pas rentrer. Par contre, il y a une caisse. Des pièces détachées, ça c'est toujours plaisir. Je me demande bien où se trouvent les autres. Ah, il y a un terminal là-bas, je crois. Je vois un terminal à travers. En effet. On va péter le truc ici. Voilà. C'est ici. Alors, c'est un peu plus compliqué. Hop, attention. On passe à fond. On descend par là. Et hop, c'est bon. Priya. J'ai trouvé les données biométriques dont tu parlais. Parfait. Il faut que je trouve quelqu'un qui a le bon accès. Est-ce que je vois encore autre chose? Non. Bon, il semble encore un autre bâtiment là-bas. Je cherche un autre terminal. Un truc là-haut, tiens. Une caisse. On va déjà aller voir la caisse. Ici, je vois rien dans le bâtiment. Je pense pas que ce soit ici. On va grimper là-haut pour aller voir la caisse que j'ai vue de loin. Il y a un truc là. Ah, c'est là qu'il faut pirater. Wow, wow. Comment est-ce qu'on monte là-haut? Bonne question. Alors là. Par ici. Et là, ouf, oui. Pas mal ça. Ok, bon, faut sauter de l'autre côté. Bon, d'abord prendre ici, mais c'est fait. Faut sauter là, faut pas se rater. Voilà. Et on pirate le truc ici. Comment je fais maintenant? Hop. Et hop. Voilà. Alors voyons voir ça. Oh, ça a l'air compliqué cette histoire. Non, c'est pas par là. Oh, faut refaire tout le chemin, zut. Allez.
par là. Et par là. Je crois que j'ai trouvé les identifiants d'un scientifique. Je te les envoie. Bingo, je vais pouvoir mettre au point un profil d'accès. Qui est Bingo ? Quoi ? Ah, pardon, c'est une expression. Je t'expliquerai plus tard. Tu peux revenir. Alors, faut retourner voir cette brave dame. Là-bas. Bon, la RDA a ouvert de nouveaux sites de forage. Le plan de Mercer est plutôt bien fichu dans le genre « on tue tout ce qui bouge ». Je vais lancer une analyse toxicologique et répertorier les dégâts du séisme, mais ça va prendre du temps. Ne t'inquiète pas, tes amis montent la garde. Et je leur en suis reconnaissante. Je m'occupe des équipes de forage. Super. Je vais voir ce que je peux tirer de cette base de données. Je suis désolée. On n'aurait jamais dû venir ici. Je parle de nous, les humains. C'est trop tard maintenant. Mais on peut arranger les choses. Je te contacte dès que j'ai quelque chose. Fais gaffe à toi. Alors, localiser le site de déblaiement des grands pins près de la sentinelle de pierre. Là-bas. Oui, mais c'est carrément là-bas, là-bas. Ok, ben on va reprendre l'icrane. On va le rappeler. Je sais pas où il est. Il est à combien de mètres ? 87 mètres, je vais le rappeler ici. Le voilà. Et c'est parti. On va faire attention de ne pas passer au-dessus de l'usine. Où est-ce qu'elle était, cette usine que j'ai repérée? Elle est ici. On va passer un peu sur le côté, là. Histoire de ne pas se faire tirer dessus par les défenses antiaériennes. C'est par là. On va passer entre. C'est vraiment tout près. Ria, je m'approche de la fissure qui se trouve au nord. Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a une équipe de la RDA qui se trouve déjà sur place. Empêche-les d'installer une foreuse. Je m'en occupe. Ok, go. Selon les rapports de sécurité, il y a aussi un Thanator et son petit. Elle doit protéger son territoire. Et son petit. Ils sont très dangereux. Mais je vais tenter de les protéger. Prendre le fusil à pompe. J'ai attaqué par derrière. Voilà. Oh là, un truc en feu là. Wow, attention. On va faire le tour. On va le prendre aussi par derrière. J'ai pris du feu. Voilà, un de moins. Ria, j'ai pu arrêter l'équipe de la RDA grâce aux crocs et aux griffes de la forêt. Et on les adore. Je veux dire, parfois.
Et maintenant, je vais détruire ce site. La RDA ne pourra plus l'utiliser. Alors, on va récupérer ce qu'on peut. Toujours à la recherche du fusil à pompe 250 avec 80 pièces. Je le rappelle, si vous avez 80 pièces, allez le chercher. C'est au QG de la Résistance. Ok, des munitions. Je vais détruire le site, hein, mais avant, je chope tout ce que je peux. Est-ce qu'il y aura des choses là-bas ? Je vois plus rien là-bas. Il y a des choses sur la plateforme. Ici, ça a l'air bon. Ça, c'est quoi, ça ? Hop. Pyro Elite. C'est quel niveau ? Niveau 16, ok. J'ai l'impression qu'ils sont de mon niveau, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, on va le péter, mais on va d'abord fouiller ça. 68, on y est presque. Plus que 12 pièces. Je pourrais avoir le fusil à pompe 250. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Qu'est-ce qui se passe encore maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Matériel de sabotage. Neutraliser la plateforme d'extraction Delta. Ah oui, il faut taper dans l'hélice là. Ok, ça va. J'ai compris. On va attendre que ça s'ouvre. Hein. Flamme. Je crois que c'est bon. Priya, j'ai terminé. Comment se passent les tests ? Une tige cloche là-bas. Préviens dès que tu as des nouvelles. J'espère que tu te fatigues pas trop. Je détecte du mouvement à la fissure de la forêt des Kinglor. On dirait qu'ils ont déployé des sondes de cartographie. Ils cherchent quelque chose sous terre. C'est cool comme outil, mais très toxique. Ça pollue énormément. Je vais les désactiver. Merci. Avant ça, envoie-moi les données qu'ils ont trouvées. La RDA mijote quelque chose et j'ai besoin de toutes les infos pour comprendre ce qui se passe. Alors, je vérifie encore, juste une dernière fois, que j'ai rien oublié. Ça a l'air bon. On va aller au site suivant. On va appeler notre... Ikran. On va regarder où c'est. C'est là-bas. Faut aller ici, maintenant. Alors, on peut directement se rendre à l'extracteur de gaz éco qu'on avait déjà détruit. C'est près de l'arche. Vous avez ici l'arbre maison. Et en fait, c'est ici qu'on doit aller, apparemment. Et donc, on va se téléporter, comme j'avais dit, à l'extracteur de gaz ici. Sauf qu'il ne veut pas qu'on fasse le voyage rapide. Je ne sais pas pourquoi. Je vais réessayer. Non, il veut pas le voyage rapide. Je vais prendre un labo alors. Le labo ici. Il veut pas non plus. Le voyage rapide est désactivé, on dirait. Ok, bah là, on va y aller en Ikran. On n'a pas le choix. C'est dommage, ça. Wow, calme-toi, tes mecs. On ne va pas aller par là. Je vais quand même essayer, maintenant que je suis en l'air, de faire le voyage rapide. On sait jamais que c'était un petit bug. Hop. Donc ici... Non, c'est pas un bug, hein. On peut pas. Je suppose qu'il y a une raison. Un petit coup, on sait jamais. Ah, on peut faire le voyage rapide, on le fait. Voilà. À mon avis, on était encore considéré comme en combat, peut-être parce qu'on était dans la zone où il y avait le combat, je sais pas. Ok, parfait. C'est quoi ça? Ouais, on s'en fiche pas mal.
On peut y aller à pied. Hein. Je sais pas si c'est loin. Est-ce que c'est... Oh non, 400 mètres, on va y aller à pied. Tranquille, on verra pour récupérer encore des choses dans la forêt en même temps. Même si par ici, je pense pas qu'il y ait encore grand-chose à récupérer. Une quête plutôt tranquille, hein, comparée à la précédente, si vous l'avez regardée, qui était vraiment pas évidente dans la base. Ah tiens, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour monter. Ah, des roseaux, j'en ai pas besoin, je crois. Non. Avec ça, j'ai perdu le focus. Là, il y a un truc bizarre. Est-ce que c'est déjà ici? Ah, ça a l'air d'être là. Pourquoi je vois plus de points? Bon, c'est pas grave. Ouf, il y en a des ennemis. Ah oui, d'accord. On va essayer de les faire par en haut. On va essayer de les faire tranquillement en furtivité, si on sait. Alors, essayer d'avancer un petit peu. Il y a un hélico, je sais pas si je peux tirer dessus ou pas. On voit les patrouilles des ennemis. Il y en a un qui arrive. Je tirerai bien dessus juste pour plaisir. Ça va peut-être un peu les réveiller. Il y en a un là. J'essaie de lui tirer dans le dos. Ou bien sur son point faible ici. Voilà. Ça n'a pas suffi. Ils sont solides, hein. Bon, lui devrait être mort, hein. On va passer au fusil à pompe. Je vois pas d'ennemis pour l'instant. Où est-ce qu'ils sont? Moins. Oh, ils sont méga solides. Misère. Et vraiment tant que je chope ce nouveau fusil à pompe. C'est des trucs que je dois pirater, mais j'aborde éliminer tous les ennemis. Il y a encore un hélico là. Encore un gars qui patrouille là-bas. Il m'a repéré. Voilà. Faut faire la différence entre les élites et les normaux. Hein. Les normaux sont quand même bien plus simples à liquider. On va tirer dans l'hélice. Voilà, un de moins. Il y a des hélicos qui arrivent, on dirait. Ça, par contre, c'est pas cool. Ah, je sais même pas où il est, le gars. Bon, où sont les hélicos? Oh, une grenade qui arrive. Oh là. Bon, je vais essayer de choper. Ah, on va déjà prendre ça.
Ok, un gros. On glisse et on lui tire dessus par derrière et bim, un de moins. J'entends les hélicos. Hein. Bon, mon avis, mettre des renforts. Je sais pas s'il a déposé des renforts, on verra bien, tant pis. On va activer les trucs comme on a demandé, on verra bien plus tard, on va refaire des flèches. Voilà. Ouais, il a déposé des renforts, c'est clair. Ils sont au-dessus. Bon, j'ai déjà piraté ce truc-là. Je sais pas si les renforts sont infinis ou pas, donc je vais pas chipoter. Voilà. Il y a plein de... c'est pas évident. Hop, voilà. Bon, celui-là c'est fait. Et d'une. Ria, je t'envoie les données. Il y en a beaucoup. Bien reçu. Il y en a un là-haut. Est-ce qu'il me voit de là ou pas? Il arrive, je vais le buter. Voilà, déjà celui-là, il m'embêtera plus. Maintenant, s'il n'y en a pas autour de moi, je vais pirater ce truc-là. Voilà. Alors, hop, on attend, on va tout en haut là, on redescend, c'est pas par là, c'est par ici, hop, et hop, c'est bon, on cherche les autres, hein. Il y en a encore un là-bas. C'est pas fini, il y a encore des ennemis. Moi aussi, je crois que je suis tranquille pour pirater. Alors, voyons voir ça. Hop, 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 hop. C'est un vrai dédale, ce truc-là. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, plus qu'une. Allez, on cherche le dernier. Il y a un truc ici. Ah, il faut des pièces, des pièces, des pièces. Hein. Encore 10 pièces et on peut se payer... le super fusil à pompe. Je sais que je suis obsédé par le fusil à pompe, mais il me le faut absolument. Il me le faut absolument. Oh, ben le dernier est là, c'est cool. Personne va m'embêter. J'aimerais bien encore chercher après, voir s'il n'y a pas des pièces encore. Ok. Alors, voyons voir. Ça n'a pas l'air très compliqué. C'est juste un gros spaghetti. Hop, par là. Non, c'était pas par là. C'est par ici. Et par là, puis vers le bas. Voilà. Ria, j'ai désactivé les sondes. Ça c'est fait. Comment t'as fait ça? Je suis coincé là à paniquer devant mon ordi et tu détruis des sites de prospection de la RDA comme si de rien n'était. Merci. C'est parce que j'ai pu m'entraîner. Je cherche encore des conteneurs de pièces, hein. Je regarde s'il n'y en a pas qui traînent encore par-ci par-là. De mon côté. J'ai toutes les données possibles. Les résultats d'enquête, les itinéraires, absolument tout. On dirait que toutes les opérations de forage viennent de la même base. Il y a un tas d'équipements là-bas. Envoie-moi les coordonnées. C'est fait. Je vais retourner au QG, mais je dois aller voir une dernière fissure. La RDA n'est pas encore passée et j'ai besoin d'échantillons propres. Fais attention, d'accord? Comme toujours, non? Pas besoin de répondre. Je regarde s'il y a plus... il y a encore une conteneur là. C'est des munitions. Ça, ça pète. Alors, se rendre à la base avancée Delta dans le berceau des marcheurs supérieurs. On va faire ça. Je crois qu'on a eu tout le monde ici. Il n'y a plus personne, je crois. Bon, il n'y a plus rien à récupérer non plus. J'entends encore quelqu'un. Ah, il y a des soldats là-bas encore. Il y a encore une caisse. Nous tire dessus.
Ouais, ouais, l'ennemi te tire dessus, c'est malin. Malheureusement, il n'y a plus rien. Donc on va aller dans... Oh, ça y est, des renforts de nouveau qui arrivent. On se casse, hein. Bon, les renforts arrivent tout le temps, hein. Donc n'attendez pas d'éliminer tout le monde pour faire les trucs. Maintenant, ces renforts continuent, je pense que ce sera tout le temps comme ça. Donc on s'éloigne gentiment de là où on était pour pouvoir appeler l'Icrane et aller dans la zone où on doit aller. Je pensais pas que ces renforts continuent tout le temps. Ça, c'est bien. Cool, tranquille. Moi, je n'ai pas besoin. On va voir où on doit aller. On doit aller là-bas. Alors, est-ce qu'on a quelque part une base tout près? On va aller au promontoire de l'Alliance. Ça nous permettra d'accéder... Ah, mais il y a un labo tout près. On va aller à la station des perspectives lithiques. Alors là, vous avez encore un site à faire qu'on n'a pas fait. Bravo. Pour vous repérer ça, ici, vous avez le cercle du foyer des Essois. Vous allez comme ceci et vous avez le labo qui est ici. Station des perspectives lithiques, dans les marches larmoyantes. Et on va aller directement là. Ça nous permettra d'être positionné tout de suite où on doit être. On ne doit pas voyager, ça ira plus vite. Hé, j'ai trouvé un truc méga important. Méga important? Ça existe, ce mot? Priya... Oui, pardon. Il faut que j'avertisse le QG. Juste une seconde. Priya, est-ce que ça va? Pas trop. J'ai regardé les données des sites de forage. Mercer a décidé d'y aller à fond et on est plutôt sur une frappe de météorite que sur une simple fissure. C'est une métaphore, bien sûr, pas une vraie météorite, mais bon... Priya, calme-toi. Qu'est-ce que tu as trouvé? Rinella, je t'envoie les données. J'ai besoin que tu fasses une simulation, mais je pense que Mercer va vraiment tout polluer. Est-ce que vous pouvez revenir ici? Si tu as raison, je vais devoir rassembler les clans. J'aurai besoin de vous. Je récupère un dernier échantillon de pétrole et j'arrive. Et je dois détruire un dernier camp de la RDA. Je reviens dès que possible. Dépêchez-vous. On va faire une petite nourriture, hein, pour être un peu plus performant. Alors, on va prendre, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'ai des recettes toutes faites, à la limite. Ouais, bah, les recettes toutes faites, c'est les favorites, ça. Bon, non, je vais carrément prendre ça. Résilience 1. 30% de santé en plus. Ça m'a l'air très bien, ça, voilà. On va faire ça. Bah, j'aurais pu prendre aussi ce que j'avais en réserve encore, hein, mais bon. On va se faire un petit plat pour être tranquille et on va aller attaquer le truc qu'on nous dit d'attaquer. Donc on récupère ici 100% énergie, résilience, plus 30 santé pendant 31 minutes. Ça c'est cool. Accepté. Bon, voilà qui est fait. On est bon. Je pense qu'au niveau du sac, on est bon. On va voir s'il faut rien enlever. 2, 23, ça va aller. Ok, go. On pourrait peut-être encore prendre par... Ouais. Par acquis de conscience, reprendre quand même un... Où sont les... Où était le truc, là-bas? Va falloir faire quelques labos pour obtenir des pièces, hein, pour pouvoir acheter ce fameux fusil. Je crois que ça va être vraiment nécessaire. Donc on va reprendre un petit peu de bouffe. On va reprendre un comme ça, par sécurité. Maintenant, il faut se rendre dans la base avancée Delta. Alors, où est-ce qu'elle est, cette base avancée? Elle est là. Eh bien, je crois qu'il va falloir prendre l'Icrane, hein, parce que je crois pas qu'on puisse y aller comme ça. On va voir. Enfin, malgré que... C'est juste peut-être un peu loin. On va appeler l'Icrane quand même. Alors, qui dit base avancée, dit probablement défense anti-aérienne, donc méfiez-vous. Ne vous en approchez pas trop près avec l'Icrane. Yeah. Risquez de vous faire abattre en plein vol. Des points faibles. Carburant, courant... Voilà, on y est déjà. Ah, je pensais pas que c'était aussi près. Ouais, c'est ça, on y est déjà. On va prendre l'arc. Bon, je vois pas de défense antiaérienne. Par contre, je vois des soldats.
des snipers ici. On va essayer de les tuer ceux-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Neutraliser la base. Détruire les barils de carburant, il y en a 11. On a déjà tué celui-là. Hein. Mais je crois qu'il est derrière une clôture. Purée, il est derrière une clôture, lui. Bon, ben, on va pas se formaliser. Sur quoi il tire? Bon, lui, c'est terminé. Il y a une pièce ici. Oh non, c'est des munitions. Ça va pas suffire. On va prendre... Purée. Oh, j'ai pris feu là. Bon, je fais le tour pour pas me faire embêter. Ça aussi c'est bon. Continue. Il est très grand le site. Hein. Raté. Boum. Boum. Je prends ça. L'inventaire est plein. Oh oh. Pièce. Non, munitions encore. Les réservoirs ici. Et un hélico. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore à détruire? Là-bas. J'ai l'impression que j'ai tué tous les soldats, mais c'est bizarre. Là, ils sont ailleurs. Alors, ici. Réservoir. Boum. Et une grosse caisse là. Ouf. Ça pète, hein. Il y a un truc ici. Ah, stop. Ah bah c'est le cas de le dire, hein. Alors ici. Un mode. L'inventaire est plein. Où sont les derniers trucs à détruire? Où sont les derniers trucs à détruire? Là-bas. Il y a encore un ennemi. Ah, c'est un robot en plus. Et un truc là-bas encore aussi. Boum. Ah, là-bas en haut. Ah, il y a des... Ne tuez pas tous les ennemis, hein. Ça fait appeler des renforts en fait. C'est ça le truc en fait. Quand il n'y a plus d'ennemis pour garder la base, ils appellent des renforts. Donc laissez-en un en vie. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Vous avez des soins là-bas si jamais vous en avez besoin. Bon. C'est tout à fait de l'autre côté. Ah, il y a encore un dépôt de carburant à détruire. Hop. Où est-ce qu'il est?
Où est le dernier dépôt de carburant? Ah, j'ai pris feu. Où est-ce qu'il est le dernier dépôt de carburant? Hop, ici. Là-bas. Je pense. Trouvez-moi cet hostile. C'est raté, hein, pour traquer l'ennemi. C'est plutôt lui qui te traque. Alors, c'est ici. Ok, on va sauter, on va le faire péter. Et voilà. J'ai détruit le site. Où es-tu? Je récupère les derniers échantillons, si j'appelle en cas. Je me casse. Il y a des ennemis partout. Est-ce que c'est l'un des nôtres? Oh là. Ah, c'est bon. Mets-toi à couvert. Ils nous ont vu. Priya, réponds. Priya. Qu'est-ce qui se passe là? Trouve Priya, elle se dirigeait vers une fissure dans la plaine d'Aiwa. Elle se trouve au nord du pic Toruk. Allez, c'est parti, on fonce. Arc lourd, on fait des flèches. On regarde où c'est, on prend la carte. Alors, ouf, la grosse base ici. C'est ici qu'il faut aller. Alors là, on n'a rien du tout, tout près. Un panier d'équipement haut qu'on avait vu tout à l'heure. On est là, ben on va appeler l'Icrane. Hein. On va appeler l'Icrane et on va y aller. Allez. On va essayer de pas se faire dézinguer. On va voler en Razmot. J'étais tellement inquiète. Ça va. On s'est caché dans une grotte et ces idiots n'ont pas encore trouvé, mais ça ne serait tardé. C'était vraiment très intelligent de se coincer là-dedans, Priya. Restez où vous êtes. Je vais les distraire. On l'a mis en fuite. Un de moins. Encore un de moins. Il y en a encore un ici. Alors là, c'est une grosse rigolade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis... Là, un man moins. Ah, ils sont couverts de carburant en fait. C'est ça qui fait qu'ils sont tuables en un coup. Encore un là-bas. Où est-ce qu'il est? Oh, je l'ai pas eu. C'est bon ou pas? Ah, une tige cloche là. On va prendre la tige cloche aussi. Ah, je crois qu'elle est dans la grotte, tant pis. Où est le reste de la patrouille? Ah, ici. Apparemment. C'est fait. Priya, tu es là? Tu vas bien? Priya? C'est bon, la RDA est partie. Qu'est-ce que je suis contente d'entendre
où est-ce qu'elle est? Elle est en train de sortir. Ah, mais c'est là la grotte. On va aller voir ce qu'il y a dedans. On lève là. Il y a encore des objets. Parfait. Parler à Priya. Oui, c'est malin. Sur Terre, les rochers ne flottent pas. Chaque fois que je vois ça, ça me retourne le cerveau. Je n'y ferai jamais. Pandora arrive encore à me surprendre. Il y a tant de choses à découvrir. C'est pour ça qu'il faut absolument la protéger. La bonne nouvelle, c'est que les sols vont se régénérer. Ce qui montre à quel point ton monde est incroyable. C'est pas pareil sur Terre. Comme disait mon ancien prof, l'écologie, c'est de la pathologie. C'est tellement triste. Eh oui. Pandora est si belle et pleine de vie. Ça me terrifie. Mais je suis prête à tout pour la protéger. Il va falloir que je fasse des simulations, mais je suis quasi sûre que le plan de Mercer va tout détruire. Les chefs de clan sont au QG pour trouver comment l'arrêter. J'espère vraiment qu'on va y arriver. Je vais y aller. Reviens vite au QG. On a besoin de toi. Et voilà, montée en pression est terminée. On va arrêter le let's play ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Avatar.